Ça tombe bien parce que j'avais une nouvelle à t'annoncer. Comment? Tu vois, la dernière fois que j'étais ici à la maison et que je suis rentrée, j'ai fait la rencontre de certains groupes. Marco! Regarde la rencontre! Ah, il y a rien, c'est. Attends, je vais essayer de l'appeler. Oh, ok, c'est une bonne idée. Tu disais que je vais avoir. Je veux un jus. Juste. Ouais, comment elle n'a pas appelé elle laisse? Comment elle peut faire ça? Allô? Oui, allô? C'est comment, chérie? Je vais mettre le prix. La prochaine fois qu'on va se revoir. On m'a dit que tu fais le ça, ça y est.
tu es partenaire. J'ai un projet de construire à Oudia, tu vois. Et là, j'ai fait des petites photos pour te présenter. Pour te présenter. Ce sont des photos de mon chantier déjà. Donc, en fait, tu vois, moi, je n'aimerais pas que je sois en contact avec ma femme et qu'elle ne soit pas au courant des projets qu'on a ensemble. Je fais avec ce plus jeune. Donc, parce que les moyens me font un peu défaut, parce que mon chantier, il a pris à 190 millions. Oui, 190 millions. Et là, pour le moment, je n'ai que 40 millions. Donc, je fais avec ce que j'ai. Et je pense que quand on est ensemble, si c'est que pour faire un projet comme celui-ci, il faut qu'on soit au moment de comment après. Tu vois. Parce qu'au départ, je me suis dit que bon, j'allais un peu voir que le projet n'est pas assez porteur, parce que il n'est pas très bon. Mais bon, pour faire un projet comme celui-ci, il faut qu'on soit au moment de comment après. Tu vois. Raison pour laquelle j'ai tenu à te présenter. Tu t'amuses bien? Ouais. Tu sais, depuis que je t'ai connu, ma vie a changé. Hein. Oui, ça a trop changé. En bien, bien sûr. Parce que grâce à toi, en fait, j'ai retrouvé la joie. J'ai retrouvé la joie. Moi aussi. Je me suis dit au départ que l'argent pourrait faire mon bonheur, mais je me rends compte que mon bonheur, c'était toi. Mais bon, le fait que je vois quand je dis 190 millions, tu te dis que non, je suis aussi ambitieux. Je suis ambitieux. C'est du sud-milieu. Mais bon, il faut quand même avoir les ambitions un peu plus grandes que ce qu'on a dans la bouche. Ça permet que je puisse grandir dans la vie. Et quand on est accompagné d'une telle belle femme comme toi, automatiquement les envies et les pensées changent, tu vois. Et c'est très important. Je te sens plein. D'accord. Tu te sens bien? Ouais, ouais. Ok, je te sens bien. Je pense que le mieux c'est qu'on va aller là où je te dis là tout à l'heure. Tu vois, on essaye de voir ce qui est. D'accord. Quand tu te changes, alors mon pied. D'accord. J'aime ce que je vois. J'apprécie vraiment. Delia, c'est toi. Oh. Voilà. Assieds-toi. Qui ont fait quoi? Pourquoi la piscine est comme ça? Non, je suis en train de nettoyer. Comme tu es là? Non, je suis en train de nettoyer. Comme tu es là? Donc tu as l'argent? Quel argent? Boss, toi, les boss de quoi? Qui est assis là? Je suis en train de garder ça. Faut te méfier, hein? Monsieur est bien chaussé. Déchausse-toi, vite. Non. Allez, moi là, je suis là. Déchausse-toi. Un pauvre homme. Déchausse, enlève ça. Je viens d'arriver, boss. Nettoie-moi la piscine. Tu as 2 minutes pour me nettoyer la piscine là, vite. C'est tranquille. Dépêche-toi où je te vis. Non, c'est tranquille, boss. Mais comment sont les pauvres? Tu vas gérer le retour.
j'ai le retour. Là j'ai le retour. Poisson baisé, poulet baisé, musique glacée, manan glacée. Tu vas, j'ai le retour. Le salopard qui descend la femme là, il nettoie ma piscine. Et là là là, on vient de se séparer où je demandais qu'il nettoie la piscine. Les pauvres sont comment? Donc le jour là, nous descendons l'angala. Oui. En tout cas, j'espère qu'ils vont aller ensemble.